Ma Mission TV, le miroir du monde. Et yeah, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort est le nôtre sous Kanamasulo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Ndwandaka, Ndwa Kaziya, Fumwa Isi, Tenis, Antoine Tisoko, Mpandi, Ya, Opoza, Ya Nene, Ya Ibaraka, Na, Isi Nabeto, Mbuta, Etienne, Tisoko, Ina, Kwaka, Ina Kwaka, Bagula Meluta, Kasi, Na, Kilungu, Ya Bugiayi, Betoke, Na Kwanza, Moyo, Ya, Mbuta, Nganga, Nzambi, Na Kumbu, Ya, Gérald, Mouloua, Ya, Kwaka, Na, Pupa, Ya Kilumbu ya Zolete, ya Katu Kilumbu 15, ya Ngonda Iya, Mvula Meluta, Betabasabeno, Mbuta, Gérard, Mulumba, Mulumba, Kalemba, Butukaka, Kilumbu, ya Nana, Ngonda Nsambwati, Mvula, Bifunda Mosi, Na Ivoa, Na Makumi Tatu, Na Nsambwati, Betabasabeno, ya Ivoandaka, Ngangana, Nganganzambi, Kuna, Na Mweka, Na Kizunga, ya Kasai. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Shalom. Nous vous accueillons en cette cathédrale Notre-Dame du Congo aujourd'hui où nous commémorons le premier anniversaire de la mort de Son Excellence Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba qui, faut-il le rappeler, un bon et fidèle serviteur est actuellement dans la joie de son maître. Lève-nous, c'est le début de notre prière. Yeah.
Saint-Esprit, la paix soit.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Nous invitons à présent le chef de la maison civile pour un mot de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, la distinguée Première Dame, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Excellences Monseigneur l'évêque, révérende sœur, révérend père, messieurs les abbés, chers frères et sœurs membres de la famille, mesdames et messieurs, je prends la parole devant vous au début de cette messe qui sera dite dans cette église Notre-Dame du Congo à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, évêque émérite de Moueka et premier chef de la maison civile de Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Oui, il est encore vive la douleur qui a déchiré nos cœurs le matin du 15 avril 2020, lorsque nous apprenions le décès inattendu de Monseigneur Gérard Moulumba à un moment de l'histoire de notre pays où, comme famille, et comme personne, nous avions grandement besoin de son affection et de sa présence, de sa prière et surtout de sa sagesse. Mais nous le pleurons avec des yeux pleins d'espérance, parce que, selon les mots du poète, nous savons que les morts ne sont pas morts, qu'ils veillent sur nous et nous accompagne dans tous les combats de notre vie et de nos responsabilités avec une efficacité encore beaucoup plus grande. Pour un homme qui, depuis sa tendre enfance, a consacré toute sa vie à la gloire de Dieu et au salut intégral des hommes, il n'y a pas meilleure mémoire que celle qui s'est faite dans l'action de grâce pour les merveilles que Dieu a réalisées pour lui et dans la prière d'intercession afin que lui soient ouvertes les portes de la vie éternelle promises aux serviteurs bons et fidèles. J'ai connu Monseigneur Gérard Moulumba dans les années 1960, alors qu'il était aumônier des jeunes au diocèse d'Mbujimayi. Il était très apprécié pour sa simplicité, pour sa proximité et son sourire à toute épreuve que rehaussait des fossettes généreuses dont la nature l'avait doté. Mais cette relation deviendra proche et forte lorsque l'Épiscopat national du Congo, dont il était membre en tant qu'évêque de Moueka, va m'appeler en 2000 à travailler à la Caritas Congo, son organe technique chargé de la pastorale sociale, celle des œuvres sociales.
J'ai ainsi eu l'occasion de découvrir davantage un homme simple et pacifique, attentif et patient, un travailleur intelligent et méthodique, objectif et infatigable, un pasteur dévoué et conciliant, au cœur généreux et toujours prêt à se dépouiller pour les autres. J'ai vécu à ses côtés la douloureuse épreuve de l'attente du rapatriement et de l'inhumation de son frère, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, et constaté qu'il était un homme qui avait porté ses croix dans la dignité, le silence de la prière et l'amour inconditionnel de l'autre. Au niveau personnel, Monseigneur Gérard Mulumba a été pour moi un père et un guide spirituel, l'homme sur qui je me suis souvent reposé et qui m'a aidé à porter dans la prière mes joies, mes peines et mes rêves. Je ne pouvais jamais soupçonner qu'après la mort de Monseigneur Gérard Mulumba, cette proximité allait se prolonger jusqu'à l'héritage de sa charge de la coordination de la maison civile du chef de l'État. Je dois vous avouer qu'il n'est jamais facile de remplacer un homme de cette trempe sociale et ecclésiale à un poste aussi stratégique pour la simple raison qu'il a placé haut la barre des qualités qu'il faut avoir pour marcher sur le chemin qu'il a frayé. La première de ces qualités, c'est l'amour. L'amour qui est l'unique fondement de toute œuvre sociale et utile, toute œuvre solide et utile. Il est vrai que, chez Mgr Gérard Mulumba, cet amour s'inscrit à la fois dans sa vocation de prêtre, mais aussi dans sa parenté avec le chef de l'État, au sein d'une famille dont les membres, très unis et solidaires, ont marqué d'une empreinte spéciale la vie politique de notre pays. Mais cet amour est un défi. C'est un défi qui peut être relevé par tous, parce qu'il n'est pas au-delà de nos capacités et qu'il est inscrit dans notre nature comme la condition fondamentale de notre réalisation comme personne humaine. Comme le disait Monseigneur Gérard Mulumba lors de funérailles de son frère, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, aimer, c'est vivre sa vie totalement vouée à la recherche de la justice et du bonheur, non pour soi, mais pour les autres. Aimer, c'est braver la peur, disait-il. C'est supporter les souffrances de toutes sortes, voire la mort lorsqu'il s'agit d'une juste cause, d'un vrai idéal. En célébrant aujourd'hui la première année de la disparition de Monseigneur Gérard Mulumba, je voudrais que, au-delà de la douleur de la séparation et l'espérance de la vie éternelle, nous mettions à profit le temps présent pour imiter ce qu'il y a de noble dans sa vie, en devenant nous tous, nous aussi, des agents d'un amour vrai et fécond pour notre pays, dans la mosaïque de ses peuples et de ses cultures. À mon sens, c'est la seule condition pour être un bon citoyen, un bon ouvrier, un bon investisseur, un bon fonctionnaire, un bon policier, un bon militaire, un bon professeur, un bon ministre, un bon député, un bon sénateur, un bon président de la République. Une grande nation comme la nôtre ne meurt ni faute de connaissances, ni faute de compétences, ni faute non plus de ressources matérielles. Notre nation meurt d'abord faute d'amour.
qui est la seule force qui donne aux citoyens et aux citoyennes la capacité de mettre tout leur être, toutes leurs connaissances, toutes leurs compétences et toutes leurs ressources au service de leur pays et de leurs compatriotes. C'est la grande leçon de la vie de Son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba Wakalemba. C'est le grand défi qu'il nous lance à nous tous. C'est la grande joie qui remplit notre cœur en ce moment où va commencer la messe des suffrages en sa mémoire. Que Son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba repose en paix. Je dis et je vous remercie. Levons-nous à présent, frères et sœurs, pour la suite de notre célébration eucharistique. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, j'ai une pensée envers moi, action de ma foi. Oui, je vais vous empêcher, je vous vois à la souffrance de la terre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
À présent, joignons nos voix à celles des anges d'en haut et chantons la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Thank you.
viens appeler ton serviteur Gérard Moulumba Kalemba à la charge de l'épiscopat pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres. Permets qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel. Par Jésus, ton Fils, ton Seigneur, notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Quatrième chapitre, du 13e au 18e verset. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sous les nuées du ciel en même temps que à la rencontre du Seigneur. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Lève-nous à présent, frères et sœurs, pour chanter Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au 12e chapitre, du 35e au 40e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Celui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Excellence, Monsieur le Président de la République et Chef de l'État, distinguée Première Dame, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chef de la Maison civile du Chef de l'État, Excellence, Monsieur l'ambassadeur doyen du corps diplomatique, Messieurs les membres du Conseil de la magistrature, chers membres de la famille biologique de Mgr Gérard Moulombagay, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères, il est difficile de croire que cela fait un an que nous avons dit au revoir à Mgr
Gérard. Nous ne pouvions pas laisser passer ce jour sans lui dire que nous pensons à lui. C'est ce souvenir-là qui nous rassemble cet après-midi. Mais c'est aussi parce qu'avec lui, nous sommes unis par une communion qui transcende le temps et l'espace. La communion des saints, comme nous le proclamons chaque fois dans le Credo. L'Eucharistie que nous célébrons, et que Monseigneur Gérard en célébrait tant de fois, et le repas où tout le monde est invité sans considération de rang ou de mérite. En entrant dans les célébrations eucharistiques, nous nous reconnaissons pécheurs dans la préparation pénitentielle, parce que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, et que Jésus est venu guérir l'humanité des pesanteurs, des lourdeurs, du mal qu'il habite, pour lui donner la joie et le bonheur qu'elle attend. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Chers frères et sœurs en Christ, il y a deux êtres qui disent jamais du mal de personne et dont personne ne dit mal. Il y a des êtres qui ne font pas de bruit, mais qui font beaucoup de bien. Il y a des êtres qui font l'unanimité sans jamais rechercher la gloire et nos honneurs, parce qu'ils veulent demeurer serviteurs et rester tout petits. Il y a des êtres qui parlent peu, mais qui font beaucoup par leur présence et les multiples gestes d'amour et de tendresse qu'ils offrent à leur cœur et leurs mains sans rien entendre en retour. Il y a des êtres qui sont proches de vous sans jamais s'imposer ni vous accaparer. Il y a des êtres qui respirent la sainteté joyeusement sans jamais se prendre au sérieux. Il y a des êtres qui aiment le Christ et qui vivent tellement de lui qu'ils nous le rendent présent comme si nous pouvions le voir de nos yeux, le toucher de nos mains et l'entendre avec nos oreilles. Vous devinez, frères et sœurs, qu'en exprimant cela, je pense très fort à notre cher Père évêque, Monseigneur Gérard Moulumba Kalema. Il est passé dans votre vie, dans celle de notre Église, en faisant le bien. Dans le visage de ce prêtre évêque, vous retrouviez celui d'un frère, d'un père, d'un ami. Au fur et à mesure que les jours vont passer, vous allez retrouver dans votre mémoire la vraie, celle du cœur, telle conversation, un sourire, un conseil, une boutade, un mot qui vous a pacifié, une réflexion qui vous a redonné espoir ou qui vous a reproché de Dieu. Gardez-les précieusement. Elles constituent le patrimoine invisible qu'il nous laisse. Conseillers recherchés, professeurs compétents et pasteurs très dévoués,
Monseigneur Gérard Moulumba Kalimba a exercé une influence profonde sur un nombre incalculable de personnes engagées dans la vie de l'Église. Nous sommes tous conscients de perdre une figure peu connue, peut-être du grand public, mais tellement significative pour la vie spirituelle et intellectuelle de beaucoup d'entre nous. Par son témoignage de longue fidélité et sa manière d'être humble et discrète, Monseigneur Gérard était une référence, un prêtre estimé de tous et un sage très consulté jusque dans son grand âge. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Ces paroles de l'Évangile me semblent correspondre à la vie de Monseigneur Gérard Moulumba Kalimba. C'était un homme de foi profonde et de mûre réflexion, de tempérament timide, mais qui gardait la tenue de service par sa disponibilité et la qualité de son ministère. Il priait de façon fervente et assidue. Ses cours et ses homélies étaient toujours soigneusement préparés. Monseigneur Jean a été d'une intelligence pénétrante, très au fait de l'évolution des idées, ouvert d'esprit et de cœur au dialogue, respectueux dans la manière de s'exprimer, surtout quand il formulait quelques réserves sur un livre ou une option théologique, notamment dans le domaine de la sociologie et de l'anthropologie. Oui, c'est réconfortant quand la vie nous a écrasés, blessés, de rencontrer un visage ouvert, accueillant, apaisant et apaisé. Un regard qui ne vous juge pas, mais qui vous aime. Un sourire qui n'est pas une grimace, mais qui vous invite à la joie. Une parole qui n'est pas une sentence, mais qui calme et adoucit tous les maux de l'existence qui parfois nous terrasse et nous anéantisse. Un visage, un regard, un sourire, une parole, tout cela, Monseigneur Gérard Moulumba l'a été pour nous à la suite de son Seigneur. Il a voulu semer du bonheur, des chansons liturgiques. Il en a composé beaucoup au diocèse de Mbujimayi. Comme disait le sage, le vrai bonheur est de rendre les autres heureux. Les rendre heureux ici et maintenant, c'est ma vie. Ce fut aussi la sienne, celle de notre père évêque Gérard Moulumba Kalimba. Nous sommes tristes. Mais il faut que notre tristesse s'échange en joie. Il faut que nous rendions grâce au Seigneur de nous avoir donné ce frère et ce prêtre durant ces 82 ans de vie. Anciennement, discrètement, soigneusement, amoureusement, il a pris soin de vous à la manière du bon pasteur. Il vous connaissait bien, cela signifie que votre existence d'homme de femme était gravée dans son cœur à la vie. À la mort, il est parti vers son Seigneur en emportant tous vos visages avec lui pour les présenter à son maître dans l'éternité. C'est cela qui caractérise le vrai pasteur. Il n'abandonne jamais celles et ceux qui lui ont été confiés
ou qui se sont confiés à lui. Il continue à les accompagner, à les guider, à les aimer au-delà de la mort, au-delà de sa propre mort. Sa vie, sa foi, son cœur était pour vous, était à vous. Le prêtre est un serviteur de Dieu au milieu de son peuple. Monseigneur Gérard a servi le Christ, prêtre et pasteur, de diverses manières durant 82 ans de vie, apportant à ses frères et sœurs la sagesse de l'Église à laquelle il était indéfectiblement attaché. Le prêtre est l'homme de la parole, de la prière et de l'unité. Il rassemble et sanctifie la communauté des croyants au nom du Christ et de l'Église. Ce n'est qu'un pauvre serviteur de la grâce, mais il demeure indispensable. Un prêtre, c'est comme un pont. Il tient dans sa main celle du Seigneur, et de l'autre, il tient la vôtre. Il est comme un trait d'union entre le Christ et vous. Et sa plus belle joie, sa plus belle récompense, c'est quand il parvient à joindre votre main à celle du Seigneur pour ainsi vous unir à lui. C'est tout le sens de l'Eucharistie, où la mission de ce célébrant est de permettre à chacune et à chacun d'entrer en communion avec celui qui est, qui au-delà de toute attente, nous donne sa vie en plénitude pour combler toutes nos faim et toutes nos soifs, afin que nous vivions de lui et que nous aimions comme lui. Vous saviez combien Mgr Gérard aimait célébrer l'Eucharistie. Je devrais plutôt dire chanter l'Eucharistie. C'était un grand chantre de Dieu. Mgr Gérard, nous portons en nous le chagrin de votre départ. Mais nous savons que votre quête de Dieu n'a pas été vaine. Vous avez suivi son étoile tout au long de votre vie. Et il vous a conduit jusqu'à nous. Et maintenant, il vous mène jusqu'à lui. Vous présentez au Père, avec un cœur tout brûlant, de cette charité avec laquelle vous avez tant aimé, que la Trinité Sainte vous fasse fête avec Marie et tous les saints. Maintenant que vous allez rencontrer fréquemment le Seigneur, votre Dieu, et que vous aurez l'éternité pour parler ensemble, nous comptons sur votre prière. Amen. Nous sommes arrivés au moment d'offrir à Dieu ce que nous lui avons apporté. Offrons-le lui avec joie. Shalom. Thank you.
Esprit bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire.
et sans fin nous proclamons. Foi.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque cardinal Fridolin, Monseigneur Stanislas, président de cette Eucharistie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi ton serviteur, Monseigneur Gérard Moulouba Kalemba Wamoulumba, que tu as appelé auprès de toi il y a un an. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, et dont toi seul connais la droiture. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Surtout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, et les bienheureux Isidore et Marie Clémentine, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour ton heureux toute gloire, pour les siècles de siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En ce Dieu, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
creux, s'inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ
lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle de siècles. Nous appelons à présent un membre de la famille pour un mot de circonstance. Monseigneur l'évêque, chers abbés et prêtres, ainsi que toute votre équipe, distingués invités à vos titres et fonctions respectives. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la distinguée Première Dame et de la grande famille de Monseigneur Gérard Mulumba, nous remercions chaleureusement chacun de vous individuellement pour avoir accepté de vous joindre à nous pour commémorer ce premier anniversaire de la disparition de notre regretté frère, beau-frère, père, beau-père, oncle, grand-père et arrière-grand-père, Monseigneur Gérard Mulumba. La suite du programme se présente comme suit. Il y a un bain de consolation qui est réservé dans la salle Mafreland située sur l'avenue Boka au numéro 17. Commune de la Gombe. La salle réservée ayant un nombre de places très limité, il est demandé seulement à ceux qui ont reçu les cartes d'invitation de s'y présenter. Je vous remercie. À présent, prenons nos levées pour bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-puissant, miséricordieux, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Kinshasa, le complexe hôtelier Temple Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Temple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Temple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Temple Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité.
Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Ma Mission TV, le miroir du monde.